Plus de 90% des tueurs en série sont des hommes de race blanche, de basse ou moyenne extraction sociale. Ils sont intelligents, mais ont du mal à se concentrer à l'école. La plupart ont subi des abus physiques, psychologiques ou sexuels dans leur enfance. En général, ils sont issus de familles instables, au passé criminel, psychiatrique ou alcoolique, et ont eu tendance à être livrés à eux-mêmes. Beaucoup ont fait preuve de cruauté envers les animaux. Quand il n'y a pas eu violence physique extrême, ces enfants ont toujours été victimes d'abus émotionnels ou psychologiques. Cela modifie leur perception de la vie. Ils ont tendance à associer la souffrance avec le plaisir ou l'amour. J.W. Gacy, par exemple, avait un père alcoolique qui le battait souvent. Il l'insultait, détruisant sa confiance en soi. Plus tard, J.W. eut des problèmes avec sa propre masculinité. À l'âge adulte, il se mit à violer et à tuer. On retrouvera 29 cadavres enterrés dans sa cave. John était très apprécié par ses voisins, qui eurent bien du mal à croire qu'il fût capable de telles atrocités. Most people who suffer as children... La plupart des gens qui ont souffert dans leur enfance s'en sortent et deviennent des êtres humains respectables et équilibrés. Mais les tueurs en série réitèrent les mêmes erreurs toute leur vie. Ils n'arrivent pas à franchir le pas vers l'âge adulte, ni vers l'âge mûr. Et au moment où ils devraient atteindre l'épanouissement, au contraire, ils se disloquent émotionnellement. Ils se voudraient importants, originaux, ils ont soif de pouvoir, cherchent une sensation de maîtrise, toute chose qui leur échappe quand ils se comportent normalement. Alors ils tuent, torturent, sodomisent, démembrent des corps et atteignent ainsi une forme d'autosatisfaction. Ted Bundy est né dans la misère et n'a jamais connu son père. Il avait de bonnes notes à l'école, mais il était d'humeur incontrôlable. À 16 ans, il était voyeur, se masturbant de façon obsessionnelle. Qui aurait dit qu'il deviendrait un tueur en série ? Pourtant, il tua de nombreuses femmes. Bien des Américains pensent qu'un tueur en série est une espèce de monstre aux yeux vitreux, à l'allure et au comportement démentiel. Pourtant, en général, le tueur en série est extraordinairement ordinaire. C'est un homme blanc, d'âge moyen, qui aime dominer, contrôler, qui ne tue ni pour l'argent, ni par vengeance, mais parce que cela lui procure une sensation de bien-être. Il y prend plaisir, cela l'amuse. Il aime l'excitation, l'exaltation de ce moment où il recueille le dernier souffle de ses victimes. Il jouit de leur souffrance et s'efforce de rendre leurs derniers instants longs et douloureux. Il se sent supérieur à la mesure même de l'impuissance de ses proies. It makes him feel superior to the extent that he makes his victim inferior.
Gacy était un citoyen respectable. Il avait son affaire, était marié et avait 7 enfants. Cette façade suffit à le rendre indécelable pendant de longues années. Il adorait se déguiser en clown et, pour plaisanter, affirmait que les clowns pouvaient tout se permettre. Après que sa femme l'eut quitté, que ses affaires se mirent à péricliter, il fut arrêté et condamné. Après 3 appels, Gacy fut exécuté. Les États-Unis représentent 5% de la population mondiale et produisent plus de tueurs en série que le reste du monde, 76% du nombre total. Ensuite vient l'Europe, avec 17%, dont 28% pour la Grande-Bretagne et 27% pour l'Allemagne. C'est la Californie qui connaît le plus grand nombre de meurtres en série aux États-Unis, suivi de près par New York, le Texas et l'Illinois. C'est le Maine qui est le moins touché. D'après les statistiques, 65% des victimes sont des femmes. Un tueur de femmes assoiffé de sang a la rage incontrôlable. En 42 ans, Bundy a tué environ 46 femmes. On ne sait pas exactement combien, en fait. Un policier demanda un jour à Bundy comment un seul homme pouvait tuer 36 femmes. Bundy secoua la tête et dit « Ajoutez une décimale et vous ne serez pas loin du compte ». Il y a au plus 200 victimes de tueurs en série par an. C'est beaucoup, certes, mais pas grand-chose quand on sait que 1 800 personnes sont victimes de meurtres isolés tous les ans. Le vrai problème dans ce pays, ce ne sont pas les meurtres en série, mais la violence domestique, les homicides sur les lieux de travail. C'est un type qui sort une arme dans un bar et en tue un autre. Mais pour ce qui est des meurtres en série, on a affaire à un petit nombre de types qui font un maximum de dégâts. Ils peuvent tuer 5, 10, voire 20 personnes. Certains en ont tué des centaines. Cela suffit à terrifier la majorité des gens de ce pays. Un cannibale est quelqu'un qui mange de la chair humaine. Il y a débat sur la question. Le cannibalisme est-il une pulsion animale inhérente à tout être humain, ou bien n'apparaît-il que chez de véritables bêtes humaines, telles que certains des tueurs en série les plus prolifiques ? Le cannibalisme est la forme ultime de l'agression. Certaines tribus ont intégré le cannibalisme à la guerre. Elles remportent ainsi la victoire suprême, non seulement en tuant leurs ennemis, mais en dévorant leurs restes. Des tueurs en série, comme Andrei Chikatilo, ont fait preuve d'un sadisme extrême. Ils ont cannibalisé leurs victimes en leur dévorant le cœur, les yeux ou les parties génitales, dans le but de leur infliger la plus grande souffrance possible. C'est cette pulsion sadique qui alimente l'ego fragile d'un tueur en série. Lui qui désire si désespérément éprouver un sentiment de pouvoir sur les autres. Le cannibalisme est le vecteur d'une telle quête. Les indices anthropologiques semblent démontrer que nos ancêtres préhumains se livraient au cannibalisme avec une certaine régularité. Je crois donc qu'il existe une pulsion en ce sens. Et je crois que ce que l'on constate chez les tueurs en série est l'émergence de cette pulsion archaïque primitive et très profondément enfouie.
Le cannibalisme pratiqué par ces psychotiques s'explique ainsi. Ils consomment leurs victimes pour en faire une partie intégrante d'eux-mêmes, pour les garder toujours avec eux. Le cannibalisme est une sorte de dernier recours chez le tueur en série. En désespoir de cause, que ce soit par sadisme ou par une forme d'amour maladif, un tueur en série qui se livre au cannibalisme brise l'un des tabous les plus profonds de la société. Psychologiquement, cela veut dire qu'il a atteint le contraire de ce qu'il espérait. Il a peut-être connu un bref moment d'exaltation, mais en termes d'image de soi, d'ego, il se sent forcément plus mal qu'avant d'être passé à l'acte. Cela dit, une fois qu'il s'est livré au cannibalisme, tout peut arriver. Il se peut que le cannibalisme remonte au temps de nos ancêtres les plus primitifs. Les crimes de notre temps montrent les tueurs en série les plus prolifiques comme des cannibales. En 1968, le grand écran immortalisa des zombies mangeurs de chair humaine parcourant les collines de la Pennsylvanie à la recherche de leur casse-croûte dans la trilogie des morts vivants de George Romero. Ces films n'étaient pourtant qu'un rappel de la folie qui régnait à l'époque dans la vie réelle. Les années 60 furent parmi les plus meurtrières. 6 ans plus tard, les tronçonneuses et le cannibalisme familial furent portés à l'écran par le film culte surréaliste « Massacre à la tronçonneuse » de Toby Hooper. On pourrait dire que ce sont des variantes de ce que les érudits nomment les contes, ces histoires qui nous enchantent et nous glacent délicieusement. Les gens adorent ce genre d'histoires, et ces films hollywoodiens sont des versions modernes de ces contes anciens, remplis de merveilles, de terreurs, d'aventures et de rencontres avec des monstres mythiques que l'on retrouve si souvent. C'est si extraordinaire, si terrifiant, si hideux, que cela pourrait être de la fiction. La plupart des gens ne font pas la différence entre un Hannibal Lecter, pur produit de l'imagination de Thomas Harris dans Le silence des agneaux, et un Jeffrey Dahmer, qui était bel et bien un tueur en série, en chair et en os. L'individu moyen ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Plus ils sont extraordinaires, plus ils sont affreux. Plus nous transformons ces tueurs en sujets de fiction divertissantes. Ils deviennent des distractions. De simples agressions n'amusent personne parce que bien des gens en sont victimes au quotidien. Mais des meurtres en série, cela n'arrive qu'aux autres. Hannibal, le cannibale Lecter, a enflammé l'imagination de toute une nation. Le silence des agneaux, le roman de Thomas Harris, fut adapté à l'écran en 1991. Lecter joua le docteur pour des millions de spectateurs. Ce fut sans doute le plaisir coupable le plus intense depuis Norman Bates dans Psychose. Le personnage de Hannibal Lecter, tel qu'il est dépeint à l'écran, n'est pas vraiment un portrait fidèle d'un tueur en série. D'abord, je n'ai jamais entendu parler d'un psychiatre tueur en série. Certains médecins ont tué, et plus d'une fois, mais pas à la manière de Hannibal Lecter. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'aussi élevé socialement qui ait pratiqué le cannibalisme, ni de quelqu'un d'aussi bien intégré dans les hautes couches de la société, à ce point-là mentalement dérangé. Ce que Harris a fait, c'est de combiner en un seul personnage plusieurs types de personnalités démentes, ce qui n'existe pas dans la vie réelle. On voudrait croire, en quelque sorte, et je pense que c'est là le sens de Hannibal, que le tueur en série est une espèce de Superman mythique, qu'il est plus intelligent, plus malin que quiconque, si ce n'est la seule personne qui le confondra à la fin.
Dans le cas de Hannibal, on lui attribue une certaine élégance, même si elle le rend encore plus terrifiant. Mais cela fait partie du mythe du tueur en série. On en vient à dire qu'il est plus étonnant, plus grand que nature. Il y a quelque chose de curieusement asexué chez Hannibal Lecter. Ses motivations pour tuer et dévorer ses semblables ne semblent pas sexuelles. Et c'est un aspect très très intéressant de son personnage. Il paraît au-dessus de cela. C'est autre chose qui le rend presque inhumain. Il est surnaturel. Il ne semble pas être soumis aux besoins sexuels. Alors que des gens comme Fish ou Dahmer le sont très fortement. Bien avant Hannibal Lecter, cannibale de fiction, il y eut un homme que les journaux à sensation surnommèrent l'homme gris ou encore le loup-garou de Wisteria. C'était un vrai cannibale, un monstre vivant. Albert Fish est né à Washington, D.C. en 1870, dans une famille respectable, mais avec un lourd passé d'alcoolisme et de maladie mentale. Quelques-uns de ses parents avaient péri dans des asiles. Son père est mort quand il avait 5 ans. Sa mère dut travailler et ne pouvait s'occuper de lui. Il fut placé dans un orphelinat. Il se souvient. « J'ai vu tellement de garçons fouettés que ça a pris racine dans ma tête. » Fish devint peintre et décorateur, fut marié pendant 20 ans et eut 6 enfants. Mais quand sa femme le quitta pour un autre, le laissant seul à élever ses enfants, il commença à se décomposer dangereusement. Sa folie, alimentée par un intérêt grandissant pour le cannibalisme et la religion, le poussa à consommer de la viande crue et à en servir à dîner à ses enfants. Plus tard, ils racontèrent que cela se produisait les soirs de pleine lune. Bien qu'on ait dit qu'il n'avait jamais abusé physiquement de ses enfants, on sait qu'il les encourageait, ainsi que leurs amis, à le fesser avec une pagaie parsemée de longs clous. Il passa une période de sa vie en Europe, fréquentant, semble-t-il, les bordels masculins. Je crois qu'il était lui-même prostitué et qu'il s'adonnait à toutes sortes de pratiques sadomasochistes homosexuelles. À New York, le 28 mai 1928, Albert Fish, qui avait 58 ans, répondit à une annonce placée dans le New York World par un garçon de 18 ans nommé Edward Budd. Le jeune homme cherchait du travail. Fish, père de 6 enfants, peintre et profondément religieux, rendit visite à la famille Budd au 406 15e rue Ouest, sous le prétexte d'engager Edward pour travailler à sa ferme. Quand il se présenta chez eux pour la première fois, il apporta des fraises et du fromage allemand. Il avait tout d'un homme bon, délicat, aux cheveux blancs, un peu fragile et très convenable. Fish est considéré par bien des criminologistes comme le plus effrayant, le plus dément des tueurs en série américains. Je crois que c'est parce qu'il avait l'air si doux quand on l'arrêta. Une espèce de grand-père complètement inoffensif, aux épaules voûtées, tout grisonnant. Et pourtant, c'était un invraisemblable assassin, fou et tortionnaire d'enfants. Pratiquement toute sa vie, il avait été un prédateur d'enfants. Fish aurait pu passer facilement pour un gentil grand-père, mais il était loin d'en être un. Edward Budd était enchanté à l'idée de travailler tout l'été chez cet affable papy. Et Fish sut rapidement gagner la confiance de Albert Budd. Quand il vit la petite Grace Budd, âgée de 12 ans pour la première fois, son âme morbide bascula de façon diabolique. Enchanté à la vue de la fillette, Fish changea vite de tactique et promit à Edward qu'il viendrait bientôt le chercher pour le ramener à la ferme. Puis, il insista pour emmener Grace à l'anniversaire de sa nièce, le soir même. Les Budd, d'abord hésitants, finirent par laisser partir Grace avec Fish. Ils ne reverraient jamais leur fille vivante. En 1930, l'enlèvement de Grace Budd n'était toujours pas élucidé. Avec le temps, Fish se découvrit une nouvelle obsession. Il écrivait des lettres obscènes à des veuves et il répondait à des annonces matrimoniales. Mais il n'était pas un prétendant classique. Sortir au restaurant ou au cinéma ne l'intéressait pas. Il demandait aux femmes de le frapper
ou de fouetter de jeunes garçons avec lui. À plusieurs reprises au cours de sa vie, il subit des examens psychiatriques. Les médecins diagnostiqueront plus tard une personnalité anormalement psychopathique. Mais il ne fut pas considéré comme fou. Il allait se passer encore 4 ans avant qu'on ne retrouve Grace Budd. L'affaire fut résolue à cause d'une dernière lettre abominable écrite par Fish. Mais elle n'était pas destinée à une quelconque veuve solitaire. Elle fut envoyée à Albert et Delia Budd, qui souffraient d'une solitude bien plus éprouvante. La voici. « Chère Madame Budd, je suis venue chez vous au 406 16e rue Ouest. Je vous ai apporté du fromage et des fraises. Nous avons déjeuné. Grace s'est assise sur mes genoux et m'a embrassée. J'ai décidé de la manger et j'ai prétendu vouloir l'emmener à un anniversaire. Vous avez dit oui. Je l'ai emmenée dans une maison vide de Westchester que j'avais déjà choisie. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle cueillit des fleurs sauvages et je suis montée à l'étage. J'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, je les tacherais de sang. Quand tout fut prêt, je suis allée à la fenêtre et je l'ai appelée. Puis, je me suis cachée dans le placard jusqu'à ce qu'elle entre dans la chambre. Quand elle m'a vue nue, elle s'est mise à pleurer et a essayé de redescendre. Je l'ai attrapée et elle a dit qu'elle le dirait à sa maman. D'abord, je lui ai enlevé ses vêtements. Elle mordait, donnait des coups de pied, griffait. Je l'ai étranglée et puis je l'ai coupée en petits morceaux pour pouvoir emmener ma viande dans ma chambre et la cuire et la manger. Comme son petit cul était tendre et délicieux, bien rôti au four. Il m'a fallu 9 jours pour manger tout son corps. Je ne l'ai pas baisé, j'aurais pu si j'avais voulu. Elle est morte, vierge. Après l'avoir dépecée, il en laissa la plus grande partie dans un placard. Il en emportait une portion et prenait le train pour rentrer chez lui. Il cuisinait la chair avec des oignons et des carottes. En la mangeant, il éprouvait du plaisir sexuel. Sa lettre infernale n'était pas signée, mais la police réussit à identifier le type de papier et d'enveloppe. À l'époque, il vivait dans un meublé. Ils le traquèrent et l'arrêtèrent. Dans ses affaires, la police trouva de vieux articles de journaux sur Fritz Harman, le vampire allemand qui tuait de jeunes hommes avant de vendre leur chair au marché. Un policier horrifié questionna Fish sur la cannibalisation de Grace Budd. « Ça m'est passé par la tête », répondit Fish. L'histoire de Fish et Fish lui-même sont comme l'incarnation en chair et en os de tous ces monstres de légende qui nous ont fascinés, terrifiés, excités dans notre enfance. Comme la sorcière dans Hansel et Gretel, vous voyez, cette vieille personne apparemment inoffensive qui vous offre des bonbons et s'avère être une cannibale. Alors il y a quelque chose de proprement fascinant quand vous voyez un de ces monstres mythiques sortir du livre des frères Grimm, en quelque sorte, et venir s'installer dans le monde réel. Fish fut inculpé du meurtre de Grace Budd. Il avoua au moins 100 autres crimes. « J'ai eu des enfants dans tout le pays », plaisantait-il. Il fut condamné à mourir sur la chaise électrique à Sing Sing. Le 16 janvier 1936, Fish prit ses derniers repas. À midi, il mangea un T-bone steak. Le soir, un poulet rôti auquel il toucha à peine. Plus tard cette nuit-là, en conclusion d'une chasse à l'homme de 6 ans, l'État de New York mit fin aux appétits innommables de Fish en l'électrocutant. Fish attendait cela avec plaisir. Ce devait être le frisson suprême pour lui. « Le seul que je n'ai jamais essayé », s'exclama-t-il. Mais même son exécution ne se passa pas facilement. Quand il était en prison, il commença à se plaindre du fait qu'il avait des difficultés à s'asseoir, etc., etc. Quand les médecins de la prison vinrent lui en parler, il leur raconta qu'un de ses plaisirs était de s'enfoncer des aiguilles entre les jambes, dans le périnée, et de les y laisser. Et bien entendu, personne ne le crut. Ils l'ont passé au rayon X, et ils ont trouvé, quand les radios ont été développées, ils ont trouvé 27 aiguilles de diverses dimensions enfoncées dans la région pelvienne. Ce n'était qu'une des formes d'un comportement incroyablement masochiste qu'aimait Fish. Vous savez,
C'était un masochiste et un sadique. Un exemple classique de quelqu'un pour qui la souffrance et le plaisir sont absolument inséparables. Pendant l'électrocution, les métaux contenus dans le corps de Fish provoquèrent un court-circuit à la première décharge. Il fallut deux décharges massives supplémentaires pour le tuer. À 65 ans, Fish était l'homme le plus âgé jamais exécuté à Sing Sing. Ainsi, 50 ans avant le carnivore cinématographique préféré des Américains, Hannibal Lecter, il y eut Albert Fish, peintre en bâtiment, père de 6 enfants et cannibale. Dans les années 70, les autorités soviétiques repoussaient toute allusion à des tueurs en série. Impensable en régime communiste, bien sûr. Pourtant, rôdait chez eux un homme qui allait se révéler comme le plus prolifique des tueurs en série de l'histoire. Andrei Remoznich Chikatilo naquit en Ukraine après la guerre en pleine famine. Quand il eut 5 ans, sa mère raconta qu'avant sa naissance, son frère aîné s'était un peu trop éloigné de la maison et avait été dévoré par des villageois affamés. Chikatilo connut une vie difficile d'après nos critères, mais tout à fait banale selon des critères soviétiques. Il fut témoin de choses terribles parce qu'il vécut en Ukraine sous occupation nazie. Il vécut dans un pays dirigé par Joseph Staline, où des dizaines de millions de gens étaient exécutés ou envoyés au goulag, mouraient au goulag. Les gens mouraient par millions. Les Russes perdirent 27 millions d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un lieu de mort, un lieu de guerre, un lieu de terreur. Mais c'était le lot commun à tous. Pas seulement celui de Chikatilo, loin de là. Beaucoup de gens sortaient dans la rue le matin et découvraient des cadavres amputés de leurs fesses, la seule partie charnue de leur individu. Une petite fille en route pour l'école voyait cela et c'était épouvantable. Si on prend le temps de parler à n'importe quelle famille russe, on découvre des souvenirs de cannibalisme. Un voisin arrêté parce qu'on a trouvé des doigts dans sa soupe, ou le type d'en face qui vendait des boulettes de viande faites de chair humaine. Pendant le siège de Leningrad, qui dura 900 jours, le plus horrible, dit-on, était de croiser dans la rue un homme gras et bien nourri, car on pouvait être sûr qu'un homme comme ça se nourrissait de chair humaine. Le père de Chikatilo était un soldat soviétique capturé pendant la guerre par les nazis et emprisonné dans un camp. Chikatilo s'intéressa très jeune au communisme et fut membre du parti pendant 25 ans. Pendant son adolescence, il n'eut pas beaucoup de chance avec les filles, souvent rejeté, souffrant d'une humiliante impuissance. Il devint un onaniste obsessionnel. Il se rendit en Russie à la recherche de travail et passa un diplôme supérieur de littérature russe. Il se maria et engendra 2 enfants malgré son impuissance. Il perdit toute attirance sexuelle envers sa femme, fut accusé quelques années plus tard de mauvaise conduite sexuelle et licencié de son poste de conseiller. Cet incident précurseur semblerait indiquer l'intérêt qu'il manifestait envers les jeunes garçons et filles, sans parler d'éviscération et de mutilation. Un an plus tard, il commença à satisfaire son irrépressible soif de sang. Les premières blessures infligées à ces victimes étaient nombreuses et peu profondes, surtout dans cette région. À ce moment-là, Chikatilo avait immobilisé sa victime au sol, d'une manière ou d'une autre, et se tenait au-dessus d'elle. Ses blessures initiales manifestaient plus une attitude de domination qu'une volonté de faire souffrir ou de provoquer des dégâts physiques. Chikatilo s'installa à Rostla, où il travailla comme professeur. À ce moment-là débuta une monstrueuse période de massacres qui dura 12 ans. On dénombre au moins 53 groupes de meurtres. La plupart des victimes étaient de jeunes enfants de Rostla, un port situé à 800 km de Moscou. Chikatilo traquait les enfants dans les trains et les stations de bus. Il avait bien des points communs avec ses victimes, comme lui des désaxés rejetés par la société. Il portait une sacoche médicale en cuir noir contenant un couteau et une corde.
il appâtait ses proies avec la promesse d'un repas et d'une promenade. Il les emmenait dans les forêts. Il concoctait alors un repas à sa manière, dépeçant ses victimes, leur arrachant leurs yeux, leur dévorant les seins ou les parties génitales. Il les éviscérait, ce qui lui procurait une sensation de puissance et de domination qui attisait encore plus son désir sexuel. Il est devenu meurtrier par hasard, je crois. Son premier meurtre fut accidentel et logique à la fois. Accidentel parce qu'il n'avait pas amené la fille là pour la tuer. Il était en un sens tellement inconscient de la force de son désir qu'il ne se rendait pas compte qu'il serait obligé de la tuer. Mais quand il en eut fini avec elle, qu'il s'était calmé, que son désir avait été satisfait, son esprit plus clair, il comprit qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Subitement, il réfléchissait à nouveau. Et comme cela se passe souvent dans les homicides, tu dois la tuer. C'était ça, ou en subir les conséquences. Ce fut le moment clé de son existence, et il choisit de tuer. Et il découvrit dans cet acte de destruction d'une vie que son grand plaisir était de tout prendre à quelqu'un. Sa dignité, sa paix, l'inviolabilité de son corps et finalement sa vie. Il était le grand prédateur. Et à un moment de ce processus, il devenait non seulement un violeur d'enfants, un meurtrier, mais aussi un cannibale. Voilà ce qui s'est passé. Mais il a recommencé à faire le même choix, encore et encore. Et au-delà d'un certain point, qu'est-ce que cela change? Difficile de se repentir après 44 meurtres, je veux dire. À la fin, il a dit quelque chose de plus horrible que tout le reste. À la fin, cela devenait un peu routinier, vous savez. C'était un peu ennuyeux. L'étincelle était éteinte. Pas comme mon beau vieux temps où c'était tout frais pour moi et que j'étais excité, vous savez. Pas facile d'être excité par tout ça maintenant. D'une manière générale, le sadisme des tueurs en série suit une escalade. Ils commencent éventuellement par étrangler leurs victimes, mais quand ils en sont à la cinquième, ils peuvent l'attacher à une chaise pendant des jours entiers, la torturer, l'électrocuter, lui injecter du détergent dans les veines pour observer les convulsions, lui faire subir toutes sortes de choses innommables. Et à un moment donné, le niveau de sadisme atteint un tel degré que le cannibalisme devient une option possible. Comme un toxicomane qui a besoin de doses de plus en plus fortes pour être satisfait. Eh bien, les tueurs en série se shootent au sadisme, à la torture. Et un jour, le degré de sadisme qu'ils ont atteint ne les satisfait plus et ils passent au cannibalisme. En tout, Chikatilo a cannibalisé au moins 36 de ses victimes. Soupçonné d'être la bête sauvage recherchée, il fut ensuite libéré avant d'être interrogé. Les dirigeants soviétiques furent informés qu'il était membre du Parti communiste et il ne pouvait donc être un meurtrier, encore moins un tueur en série. Le pouvoir porta bientôt son attention sur la purification morale en matière d'homosexualité. De plus en plus de corps mutilés étaient découverts et Chikatilo, le fou assoiffé de sang, était toujours en liberté. C'est incroyable, mais il fut relâché une seconde fois. Après un examen de sang et de sperme qui s'avéra négatif. De nouveau libre, Chikatilo reprit son parcours de terreur. Jusqu'à ce que deux enquêteurs soviétiques, postés dans une gare, le surprennent émergeant d'une forêt et l'arrêtent sur le champ. À son procès, en 1994, Chikatilo racontait à la cour comment il faisait bouillir les tétons et les testicules de ses victimes avant de les manger. Des gens s'évanouirent dans la salle du tribunal. Il y a une chose curieuse concernant Chikatilo. Bien qu'il admette son cannibalisme, il n'a jamais voulu reconnaître qu'il mangeait l'utérus des femmes. Il avoua qu'il enlevait les utérus, d'une manière si habile d'ailleurs, que la police crut longtemps qu'un chirurgien était le meurtrier et que des enquêtes furent conduites sur des milliers d'entre eux.
Donc, il reconnaissait qu'il retirait l'utérus des femmes, c'est un petit organe en forme de poire, et qu'il le mordillait parce qu'il en aimait la texture spongieuse. Mais le manger, non, jamais je ne ferais ça. Jamais il ne l'a admis. Et pourtant, il était évident qu'il les mangeait. Tous les indices le prouvent. On n'a jamais retrouvé d'utérus près des restes encore bien conservés de ses victimes. L'inspecteur Kostoyev n'a jamais su si Chikatilo éprouvait un quelconque sentiment de honte. Ou alors, s'il se disait, d'accord, je vais avouer presque tout, mais pas tout. Je vais conserver un peu de pouvoir. Pour ça, ils ne pourront rien me faire. Je suis déjà une âme perdue. Mais là, je vais leur donner un peu de fil à retordre. Je vais résister. Je n'irai pas comme un mouton à l'abattoir. Ce que j'ai fait, ce n'était pas pour le plaisir sexuel, mais cela m'a porté la paix de l'esprit, dit Chikatilo à la cour. Bien des blessures infligées par Chikatilo à ses victimes visaient les organes sexuels, et ce n'est pas par hasard. Il leur enlevait ce dont il estimait avoir été lésé. En un sens, il se rendait justice. On connaît mal les effets que provoque l'absorption de chair humaine. Certaines études ont montré que des tribus cannibales souffrent du kora, une maladie du cerveau, que l'on a aussi appelée la maladie du rire, à cause des crises de rire hystériques qu'elles provoquent, le malade souffrant de spasmes incontrôlables. Cela provoque des choses étranges physiologiquement. C'est ce que m'a dit l'inspecteur Kostoyev. Et c'est dans mon livre « La chasse au diable ». Des odeurs horribles émanaient du corps de Chikatilo. Elles disparurent petit à petit, et puis un médecin écossais m'a écrit pour m'expliquer que nous ne sommes pas vraiment programmés pour la digestion de chair humaine, et que cela produit, enfin bref, cela produit une puanteur chimique terrible qui émane des pores et de la peau de la personne en question. Certaines études ont prouvé qu'en grande quantité, la chair humaine a un goût de protéines, semblable au veau, au porc, au poulet, voire au bœuf. Chikatilo n'avait pas de préférence. Chikatilo était malade. Mais la question est-il malade ou mauvais? Je dirais les deux. Il est malfaisant parce qu'il n'a pas assumé sa maladie. Je veux dire, il savait forcément quelque part qu'on ne doit pas tuer les enfants. Il n'était pas stupide, il savait. Et il faisait très attention à ne pas se faire prendre. Et il réussissait très bien. Non seulement Chikatilo n'a exprimé aucun remords pour avoir tué ses victimes, mais il n'a montré aucune émotion à propos d'un innocent condamné et exécuté pour un de ses crimes des années auparavant. La pulsion qui poussait Chikatilo était sans nul doute très puissante, renversant sur son passage tous les tabous sociaux. C'était une pulsion énorme. Et pourtant, quand il a senti que les flics étaient sur sa piste, il a eu la volonté de résister à la pulsion, d'y résister pendant trois longues années. Après avoir été condamné pour 53 meurtres, Chikatilo fut exécuté. On le sortit de sa cellule et, selon la tradition, on le fit agenouiller. Et on allait lui tirer une balle de 9 mm dans le cerveau, juste sous l'oreille droite, quand il cria « Ne me faites pas sauter la cervelle, les Japonais veulent l'acheter. » Ce furent ses dernières paroles. Et c'est vrai que les Japonais voulaient acheter son cerveau. En tout cas, il y avait eu des rumeurs dans ce sens, selon lesquels quelqu'un au Japon voulait acheter son cerveau. Voilà. Ces derniers mots furent « Ne me faites pas sauter la cervelle, les Japonais veulent l'acheter. »
Jeffrey Dahmer était le fils d'une femme admirable et d'un docteur en chimie qui passait depuis toujours plus de temps dans son laboratoire qu'avec sa famille. Les tendances macabres de Dahmer le portaient vers les animaux écrasés sur la route ou la torture et l'assassinat de petits animaux. Les voisins racontent qu'il tombait parfois sur des grenouilles ou des chats cloués à des arbres derrière la maison des Dahmer. À l'âge adulte, Dahmer était tranquille et poli. Il travaillait dans une fabrique de chocolat à Milwaukee, mais sa placidité masquait les squelettes qu'il cachait dans le placard, au sens propre du terme. Il était homosexuel, avait un penchant pour l'alcool, un type très spécifique de corps masculin et pour le cannibalisme. Il traînait dans les bars gays, attirait les hommes chez lui sous prétexte de drogue, d'alcool ou de sexe. À 18 ans, Dahmer avait déjà commis son premier meurtre. Je crois que ce qu'il y a de plus intéressant au sujet de Dahmer est son apparence. Absolument rien ne laissait penser qu'il pouvait être violent. D'une certaine façon, il ne l'était pas, car ce qu'il laissait transparaître, c'est qu'il n'aimait pas la violence ni la souffrance, contrairement à des tueurs en série plus organisés comme G.W. Gacy et Ted Bundy, qui se délectaient en torturant et en terrorisant leurs victimes. Il semble que Dahmer cherchait à les rendre inconscients le plus vite possible, par la drogue, entre autres. Et en les privant de leur état d'éveil, il pouvait leur faire subir des actes sexuels sans avoir à communiquer avec elles ou à gérer leur résistance éventuelle. À l'origine, son intention était de créer une armée de zombies vivants, avec lesquels il pourrait entretenir des relations sexuelles. Et donc, il a effectué des lobotomies frontales et versé de l'acide dans les crânes. Voyant que toutes ses victimes mouraient, il s'est replié sur un plan de secours et se mit à les étrangler après les avoir drogués. D'ailleurs, il se droguait lui-même, buvant énormément. Et il finit par exprimer des remords, même quand ce n'était pas dans son intérêt. Alors, en gros, je dirais que Jeffrey Dahmer est une sacrée énigme. Très curieux. Il est un des rares tueurs en série qui ait exprimé des remords sincères, qui n'était pas du tout sadique, et qui pourtant a commis les actes les plus hideux qu'on puisse imaginer. Dans un des cas, Dahmer avait attiré le jeune homme dans son appartement. C'était un jeune asiatique. J'ignore si Dahmer savait à quel point il était jeune. Si je me souviens bien, il avait environ 15 ans. Dahmer avait cette étrange envie de lui montrer qu'il allait en faire son esclave sexuel, et il a réellement essayé de lui percer le crâne. Ce faisant, il lui a fait perdre connaissance. Dahmer est sorti pour acheter de l'alcool. Le jeune, semble-t-il, a repris ses esprits et sorti nu dans la rue, où plusieurs personnes l'ont croisé qui ont appelé la police. Une voiture de police est arrivée, ainsi qu'un camion de pompiers, et tandis qu'ils s'attroupaient autour de ce jeune homme nu, Dahmer est revenu. Il a réussi à convaincre les policiers qu'il s'agissait de son amant, et ils l'ont escorté jusque chez lui avec le jeune homme. Dahmer leur a dit qu'il n'arrivait pas à trouver son permis de conduire, mais affirma qu'il était un de ses amants, et qu'il avait dépassé les 18 ans. Les policiers l'ont cru, ont quitté l'appartement, et bien entendu, Dahmer termina ce qu'il avait commencé. Il tua le jeune homme. Dans l'immeuble, les voisins commencèrent à se plaindre des odeurs et du bruit provoqué par une scie électrique. Plus tard, Dahmer expliquera que les odeurs provenaient de viande avariée dans son réfrigérateur et qu'il se servait de la scie pour fabriquer un meuble. Mais ce que trouva la police racontait une toute autre histoire. Parmi les horreurs découvertes chez lui, 3 corps dissous, 5 bidons d'acide, 4 têtes, des squelettes dans un placard, un pénis pris dans une pince de homard, un torse masculin à moitié rongé par l'acide. Son réfrigérateur ne contenait que des condiments, mais dans le congélateur il y avait des poumons, des foies, des intestins, des reins, des crânes et un cœur qu'il gardait pour plus tard. L'orientation de Dahmer en matière de cannibalisme était un mélange de perversité et de désir de possession. Il voulait consommer ses victimes, en faire une partie de lui.
En plus, il pensait que les manger le rendrait plus puissant, augmenterait son potentiel pour atteindre un autre niveau d'existence. Il semble y avoir un aspect sexuel à son cannibalisme. Il avait une manière particulière de préparer les morceaux, les cuisant et les mangeant en se masturbant et en guise de mise en condition pour une nouvelle chasse. Donc il y avait un aspect sexuel au cannibalisme de Dahmer. Pour des tueurs en série sadiques, le meurtre est secondaire par rapport aux actes de torture. En revanche, Jeffrey Dahmer tuait pour entretenir une relation, pour ne pas être seul. Le seul rapport qu'il était capable de vivre, parce qu'il se sentait profondément rejeté par les humains, était avec des cadavres. Et donc, il pratiquait la nécrophilie et le cannibalisme. C'était sa manière d'être entouré, d'avoir de la compagnie. Il gardait ses victimes près de lui, elle ne pouvait pas l'abandonner, à l'inverse de tous ceux qui l'avaient abandonné dans le passé. L'histoire de Dahmer est la tragédie de l'impact du fantasme sur l'esprit humain. Il n'a pas commencé subitement à tuer. Il a démarré par un fantasme, battre un homme, lui faire perdre connaissance et avoir des relations sexuelles avec lui. Cela l'obsédait. Il y pensa longtemps. Le fantasme grandit, fleurit, et il finit un jour par passer à l'acte. Jeffrey Dahmer l'a approché et lui a demandé s'il voulait se faire un peu d'argent. Mon frère est allé avec lui à son appartement. Il lui a offert quelque chose, une bière. Il a été au frigo, a ouvert la bière, a mis un somnifère dedans et il l'a donné à mon frère. Mon frère a bu la bière et il s'est évanoui. Pendant que mon frère était inconscient, il a essayé de faire une sorte d'expérience sur lui. Il a percé un trou dans sa tempe et y a versé une espèce d'acide pour en faire un zombie. Ça n'a pas marché. Il a dit que mon frère est revenu à lui et a dit « j'ai mal à la tête ». Alors, il lui a encore donné du somnifère. Il s'est évanoui une fois de plus et c'est là qu'il a fait ce qu'il a fait à mon frère. J'ai dit « si c'est une des victimes, où il est son corps ?» Comment ils l'ont identifié ? Ils ont dit, ben on lui a montré des centaines de photos et il a désigné ceux qui l'avaient tué. Et votre frère était l'un d'eux. Alors j'ai dit, où il est son corps? Et j'oublierai jamais l'air qu'il avait. Et il a dit, tous les morts ont été horribles, vous savez. Mais il a dit, tout ce que je peux vous dire, c'est que la mort de votre frère est une des pires de toutes. Et j'ai dit, je sais ce que j'entends depuis 12 jours. Qu'est-ce qui pourrait être plus horrible que ce que j'ai déjà entendu? Contrairement à Fish ou Chikatilo, Dahmer a exprimé des remords et de la tristesse pour ses monstruosités. Le jury, cependant, ne s'est pas montré indulgent, a rejeté les arguments de son avocat, qui plaidait la folie, et l'a condamné pour 17 meurtres, plus de 900 ans de prison. Avant le procès, on demanda aux familles d'identifier leurs chers disparus. Monsieur McCann nous a tous emmenés dans une pièce, toutes les familles. Il s'est adressé à chaque famille et nous a dit ce qu'il avait fait. Pas vraiment en détail, plutôt une description générale. Et c'est là que j'ai découvert qu'il avait coupé la tête d'Eddie et l'avait mise dans un placard pendant 3 jours avant de se décider. Et puis il l'a fait cuire. Et on m'a dit ça juste avant le procès, alors j'y pensais. Et là, il nous dit de ne pas montrer d'émotion, pas d'explosion, pas de pleurs, alors qu'il a mis la tête de mon frère dans un placard pendant 3 jours. Et dire qu'il y en a qui vont décider quoi faire de lui. Lui qui a déjà pris la vie de mon frère. Je ne savais pas qu'il nous permettrait de faire une déclaration. Et j'étais si nerveuse que ça m'a fait rire.
Je ne savais pas que j'allais réagir comme ça, parce que si j'avais su, je n'aurais pas dit un mot. Je me serais levée et je me serais jetée sur lui. Mais ça n'aurait servi à rien. Il nous avait déjà dit « pas d'explosion », que si on sortait de nos gonds, il faudrait un nouveau procès. Et je n'avais pas envie de revivre ça. Moi, j'ai été malade après. Ils m'ont fait sortir et m'ont donné des médicaments. J'avais très mal à la tête. J'avais gardé ça en moi pendant si longtemps. Je n'avais jamais vu cet homme pour de vrai. Et j'ai eu comme des frissons quand je l'ai vu. Et lui, qui était assis là comme un zombie, après ce qu'il avait fait, ça m'a fait quelque chose. Dahmer avoue tous ses meurtres dans un document de 159 pages. Dans sa déclaration finale, il demanda pardon aux familles. C'est la confession la plus longue que j'ai jamais vue. 159 pages. Je sais qu'elle est exhaustive, parce que tout ce que Dahmer a avoué aux autorités est vrai. Tout a été vérifié. Je trouvais que c'était bien que Jeffrey Dahmer fasse la déclaration que tout le monde attendait. Je trouve le contenu approprié. C'était ses pensées, c'était une déclaration du fond du cœur, faite par Jeffrey Dahmer. Je regrette tellement ce que j'ai fait à ces pauvres familles, et je comprends leur haine justifiée. J'aurais dû rester auprès de Dieu, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai créé un holocauste. Par une sinistre ironie du sort, en 1994, Dahmer perdit la vie en faisant le ménage. Il nettoyait le sol avec un co-détenu, l'assassin Christopher Scarver, quand il fut matraqué à mort. Les autorités retrouvèrent le monstre de Milwaukee, mort sur le carrelage. Jeffrey Dahmer, dans ce pénitencier du Wisconsin, reçut plus de courriers que tous les autres détenus réunis. Et vous savez, beaucoup d'autres détenus auraient aimé parler au public, auraient eu besoin de sympathie. Ils se sentent parfois innocents, ont besoin d'assistance, de conseils. Mais impossible pour eux. La célébrité de l'année se trouvait parmi eux. Alors il se développe beaucoup de haine en prison envers quelqu'un comme Jeffrey Dahmer, qui est si médiatisé, comme une espèce de superstar. Après la mort de Dahmer, sa mère demanda que son cerveau soit conservé dans le formol afin d'être étudié. Mais son père voulut respecter sa volonté d'être incinéré. Il s'ensuivit une bataille juridique et le juge trancha en faveur de M. Dahmer. Si j'avais eu accès à Jeff Dahmer quand il était, disons, adolescent, si j'avais observé les choses qu'il faisait, ramassant des cadavres d'animaux écrasés sur la route, les emmenant au garage, les disséquant, prélevant leurs os, les nettoyant à l'acide, sa prédilection pour les animaux morts, je me serais certainement douté que quelque chose n'allait pas. Et bien sûr, en observant d'autres éléments dans sa vie, j'aurais vu dans quelle direction il avançait. Une piste qui le menait droit à la violence, plus tard. Le vrai mystère, c'est comment il était 5 minutes avant de tuer. Je suis persuadé que si on avait pu le filmer, on aurait vu quelqu'un de très similaire au type dans Le silence des agneaux qui faisait des bruits, qui sautillait partout, comme une espèce de fée malfaisante. Je pense que Dahmer avait ce genre de comportement, mais il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais rien déclaré qui puisse soutenir la thèse de la folie. Dahmer n'a jamais menti, jamais prétendu entendre des voix ou être sujet à des hallucinations. Il était aussi honnête que je l'ai décrit en parlant des crimes qu'il avait commis. Mais il n'a jamais été capable de me dire comment il était 5 ou 10 minutes avant les meurtres. Je crois qu'il était psychotique. Et le dernier type qui se trouvait avec lui et qui lui a échappé, celui qui a prévenu la police, m'a confié que quand il était avec Dahmer, au moment où il s'est senti menacé, où il a craint pour sa vie, Dahmer a commencé à faire des bruits étranges et à se comporter très bizarrement. Alors moi, je crois que le vrai mystère est là. Comment était-il dans ces moments-là? On ne le saura jamais. Dahmer ne nous l'a jamais dit. Il n'y a pas eu de témoin pour s'en souvenir. C'est ça le vrai mystère. Il n'y en a pas d'autre.
À propos de ses comportements, le cannibalisme, le vampirisme, la nécrophilie et la mutilation des corps, des choses de cette nature, parfois il m'apparaît qu'il doit y avoir un élément dont la science n'a pas encore tenu compte. C'est le concept du mal. Certains de ses comportements sortent tout droit de l'enfer. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées agressives que l'on ne transforme pas en conduite agressive, méchante, dangereuse ou meurtrière. Mais les tueurs en série tentent à démarrer dans la vie avec de nombreux fantasmes, un mélange de sexe et de violence. Et parce qu'ils ne peuvent pas partager ces fantasmes avec d'autres, ils se retrouvent seuls à ruminer leurs fantasmes pendant longtemps, lesquels fantasmes augmentent en complexité et en fréquence. Quand ils commencent à tuer, ils sont en fait à la poursuite de leurs rêves. Ils tentent de parfaire ce qu'ils ont fantasmé pendant toute leur vie. Et puisque c'est impossible, puisque cette perfection est hors d'atteinte, ils continuent à tuer, espérant faire mieux la prochaine fois, réussir le meurtre parfait. Comment ces trois hommes en apparence inoffensifs, un peintre, un professeur, un ouvrier, ont pu commettre les actes les plus horribles, les plus innommables de l'histoire du crime, est une question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse. Après tout, la réalité dépasse toujours la fiction. Je crois que ce qui nous fascine le plus dans le cannibalisme, quand il est pratiqué par des gens comme Albert Fish, ou dans la fiction, par Hannibal Lecter, ce n'est pas tant à quel point c'est mal, parce que là, on peut argumenter. C'est clairement mal de manger un morceau de chair de la personne que vous venez de torturer et de tuer. Alors, qu'est-ce qui est pire? Vous voyez ce que je veux dire? La victime est déjà morte, alors manger son foie n'est pas nécessairement pire que de l'avoir tué. More evil than having killed the person to begin with. It could be argued. On pourrait affirmer que le cannibalisme, cette forme extrême d'agression, est enfouie en chacun de nous. Ça ne veut pas dire que nous allons effectivement dévorer notre ennemi ou notre adversaire, mais qu'en nous, il y a une part d'agressivité. Cela fait partie de la nature humaine. Et en cela, nous sommes tous des cannibales potentiels. Les images sur grand écran continueront à donner vie à la fiction et à transformer la fiction en réalité. Le personnage de Hannibal Lecter, le cannibale de fiction, résonne en chacun de nous. L'esprit d'un tueur en série est quelque chose qui nous fascine, nous horrifie et finalement nous stupéfie. Mais Hannibal Lecter et ses amis, les vrais cannibales, sont là, dans la vie réelle. Quelque part. Malheureusement, nous allons devoir accepter pendant un certain temps de ne pas comprendre la genèse des meurtres en série. Cela ne fait que 20 ans que nous étudions ce phénomène assez rare et pourtant si énigmatique. On pourrait tenter de préparer tout le monde à la manière de réagir si on est approché par un tueur en série. Et cela ne servirait à rien du tout. C'est un événement de la vie comparable à un accident d'automobile, à la foudre qui tombe du ciel. Il y a très peu de chances que cela vous arrive. Mais si cela arrive, tout est fini.